Madame et Monsieur, bonjour et bienvenue sur Nyon's Reborn. Waouh! Le témoignage qui va suivre est un témoignage très puissant, une vidéo waouh, extraordinaire, où on nous dit des choses. Je suis sûr que vous avez vu dans le titre, je suis sûr que vous avez vu et que vous êtes curieux de voir ce qui va se passer. Alors, je vous dis bon visionnage à tous, bonne compréhension et surtout, priez le Seigneur Jésus-Christ à la fin, qui va répandre son esprit sur vous. Vous sauver. Bon visionnage à tous. Surtout, en dessous de cette vidéo, c'est tous abonnés. Cliquez là-dessus, abonnez-vous, activez la cloche, ne pas manquer la prochaine vidéo qui va suivre celle-ci. Celle-là. À bientôt. Merci beaucoup. Amen. Amen. Bon, il y a beaucoup de choses que je suis en train de sauter. C'est très long. C'est très long. Amen. Amen. Et par après, qu'est-ce qui s'était passé? J'ai continué à servir le diable. Et le diable m'avait appelé. Quand il m'avait appelé, il m'avait dit ceci. Toi, mon fils. Oui, moi, na wangu. J'aimerais que tu viennes ici. Que tu sois avec moi. Tu restes avec moi pour toujours. Pour cela, tu dois mourir. Dans le monde des humains. Tu dois mourir. Il m'avait dit cela. Et moi, j'étais très content. Je me disais, mon maître. Wangu, je veux maintenant que je puisse rester à ses côtés. Ni yake. Moi, j'étais vraiment content. Kabisa. Amen. Amen. Vraiment, être envoûté, ce n'est pas une bonne chose. Être content pour vivre à côté de Satan. Chez le diable, il n'y a que la mort et la malédiction, c'est tout. Kule kwa Satani, kuko paka kifo na laana kunaisha. Amen. Amen. Et chez Jésus, il y a la vie et la bénédiction. Lakini kwa Yesu kuko uzima na baraka. Et pendant que je cherchais à être avec Satan, wakati nilitafuta kuwa pembeni ya Shetani, aliniambia hivi, tu dois faire le pacte avec moi. Unapasa kufunga agano na mie. Tu mourras. Utakufa. Le 6 janvier. Le 6 janvier. De l'année 2006. Ya mwaka 2006. Et pour confirmer ce pacte, najua kuhakikisha ile agano, je devais donner mon sang. Nilipasa kutoa damu yangu. Si le diable m'avait blessé à ce niveau ici, Shetani alinilumiza hapa ifasi. J'ai une cicatrice là. Niko na cicatrice hapa. Et de là, il y avait mon sang qui coulait. Na pale kulikuwa damu yangu ilianza kuvuja. Mon sang avait rempli une coupe, une calice. Na damu ile ilijaza kikombe kimoja. Et le diable avait bu mon sang en ma présence. Shetani anakunywa damu yangu mbele yangu. Après avoir bu mon sang. Na kisha kunywa damu yangu. On m'avait conduit. Bali niongoza. Dans le département du dragon de la mer. Ndani ya kikosi ya ule dragon wa maji. Et là, j'avais subi une intervention chirurgicale. Na kule bali nipasula. On avait changé mon cœur. Bali geuza roho yangu. On avait mis un autre cœur. Bali weka roho ingine. Le cœur de lion. Roho ya simba. Il y avait un lion de 12 têtes qui devait entrer en moi. Kuko simba wa bichwa 12 alipasha kuingia ndani mwangu. Je m'étais rencontré avec ce lion dans ce monde. Nilisha kutanishanaga na ule simba pa dunia hapa. Hapa mkatanga. Au niveau de Fungurume. Pa Fungurume. Dans la concession occupée par l'entreprise TFM. Mwile fasi muko tenge Fungurume mining. Et après cela. Na kisha ile. J'étais devenu Shiva. Nilikuwa Shiva, les dieux de la destruction. Mungu wa uharibifu. On m'avait donné 400 et 6 démons. Balinipatia 400 et 6 démons. Parmi ceux-là, katikati ya ile, il y avait un ange. Nilikuwa na malaika moya qui répondait au nom de Nemadel. Ule jina yake ilikuwa Nemadel. Il est parmi les anges qui avaient été précipités avec Lucifer du ciel. Ego katikati ya bale ba malaika bale balitupwaka hapa chini na Luciferi. Maintenant je travaillais pour le diable. Sasa nilianza kumtumikia Shetani. En tant qu'humain, je vivais dans ce monde pendant 2 jours par semaine. Sa vile mutu nilianza kuishi pa hii dunia mu masiku mbili mujuma. Mais lakini ce jour-là, je vivais chez le diable. Ile masiku tano inabakia nilianza kuishi kwa Shetani. En dehors du squelette que j'avais, le squelette que j'avais dans mon corps. Inje ya ile squelette ile liningia. On m'avait donné un deuxième. Balinipatia ya pili.
Et le diable avait appris beaucoup de choses. Na Satan alibeba bitu mingi. Comment combattre les églises? Na muna gani kukomanisha makanisa? Comment plonger les églises dans le sommeil spirituel qu'on appelle l'apostasie? Na muna gani kuingiza kanisa ndani ya usingizi wa kiro? Comment compter les semaines de Daniel et comment préparer le retour de Jésus? Na muna gani kuhesabia majuma ya Danieli na kuangalia kuja kwa Yesu? Ici, j'ouvre une petite parenthèse. Hapa nafungua mkaguo kidogo. Le Seigneur Jésus. Bwana Yesu. Il revient bientôt. Ego nakuya baadaye. Nous sommes dans une période qu'on appelle le temps de la grâce. Tuko mwakati inaitwa wakati ya neema. La mort du Seigneur Jésus s'est passée à la fin de la 69e semaine de Daniel. Lufu ya Bwana Yesu ilipitika mwakati ya juma ya makumi sita na mnane. Quand la 69e semaine prend fin. Wakati ile juma ikamalizika, on doit directement entrer dans la 70e semaine. Tuko na ingia mujuma ya makumi saba. Mais au lieu d'entrer dans cette semaine là, bali ya kuingia mwile juma, il y a eu un mystère. Kuko siri moja. Le diable. Ile shetani. Ne connaît pas. Ile ajue. Ce mystère là. Ile siri. C'est une pause. Inakuwa ni kikala. Une pause kuingia ndani ya mapumziko à cette chronologie là hebdomadaire de Daniel. Mwile wakati ya Danieli, il y a une pause. Kuko mapumziko. Pourquoi cette pause là? Jua nini ile mapumziko? C'est pour permettre ni jua kuruhusu à toutes les nations qui ne connaissaient pas la bonne nouvelle. Mataifa yote ile ikujua habari njema. Ces nations là kuile mataifa connaissent aussi la bonne nouvelle. Ijue habari njema. C'est ce temps ici. Ni mwili wakati. Le temps de la grâce. Wakati ya neema. Et la Bible dit. Na Biblia inasema. La fin interviendra. Mwisho itakuya. Parce que la bonne nouvelle sera prêchée partout. Wakati habari njema itahubiriwa fasi yote. Aujourd'hui. Quand vous voyez bien, même les nations qui étaient hostiles à l'évangile, ces nations-là acceptent Jésus et l'évangile est prêché partout. Donc, vous allez en Inde, chrétiens indiens. Si vous allez même en Irak, il y a des chrétiens irakiens. Même au Japon. Amen. Amina. C'est-à-dire que l'évangile, Injili, l'évangile Injili a déjà atteint Inesa ingia toutes les nations. Mataifa yote. Et nous sommes à la fin maintenant, la fin du temps de la grâce. Tunafika kumwisho ya wakati ya neema. Et le signe que le Seigneur Jésus avait donné, na malama ile Bwana Yesu alileta, ce signe-là, nous le voyons déjà. Ile malama tuko na iishi. Et les deux acteurs principaux de l'eschatologie sont déjà là. Na bale baubiri bawili ba habari njema beko hapa. Nous avons l'empire romain païen. Tuko na empire romain abapagano. Et le culte lévitique, le sacerdoce lévitique. Na kikuani ya Walawi. Parce que Jésus. Ju Yesu. Était accusé par les Juifs. Alishitakiwa na Wayuda. Mais tué par les Romains. Lakini aliuawa na Waroma. On entre dans la 70e semaine. Wakati tutaingia mjuma makumi saba. Les acteurs réapparaissent. Inapasha bale bajumbe bawili baonekane. L'empire romain est déjà là. Ejesi ya Kiroma iko hapa. Avec ce qu'on appelle l'Union européenne. Na ile tunaita asema mchangano wa Roma. Il y a une monnaie unique qu'on appelle euro. Kuna kuwa franga moja wanaita euro. Il y a une armée, il y a une constitution. Kuna kuwa ejesi, kuna kuwa katiba. On cherche même maintenant le président de l'Union européenne. Beko natafuta sasa president ile mchangano ya bati ya Mubulaya. Et quand vous voyez maintenant la guerre intifada, la guerre israélo-palestinienne aujourd'hui. Wakati unaona mvita intifada ya ba Israel na ba Palestine leo. On s'est disputé la bande de Gaza. Beko na bisana mule mubonde ya Gaza. Afin de démolir la mosquée pour rebâtir le temple de Jérusalem. Ili bangusha ile mosquée na bajenga ekaru ya Jérusalem. Or l'antichrist il ira dans le temple pour se faire passer comme Dieu. Mpinga Kristo atenda ndani ile ekaru na anajiweka na kuwa Mungu. Lui c'est le capitaine Samanili. Ye ni capitaine Samaliki. Bon, ça c'est une parenthèse. Oh. Ile ni mukaguo. Amen, amen. Amina. Amen. Amina. On peut continuer. Tuendele. Pendant que je continuais avec le diable. Mwakati nilianza kuendelea na shetani. Il nous avait même donné les caractéristiques de ces églises. Alitupatia vitambulisho ya makanisa. Ici chez nous au Congo, il y en a 69. Hapa mkongo muko makanisa makumi sita na tisa. Du diable. Ya shetani. Toutes les églises qui acceptent l'écuménisme sont déjà dans la main de Satan. Makanisa yote inaitika kuchangana inashaingia mu mikono ya shetani. Je vous dis la vérité. Ameambia vya kweli. Faut jamais assister à des cultes ecumeniques. Aipase kuhudhuria kwa ibada ya makanisa kuchangana. On ne confesse pas un même Jésus. Jua tukalage na kiri Yesu moya. Amen.
Amina. Après cela, j'ai continué à servir le diable. Le diable m'avait donné l'autorisation de parler directement avec lui sans passer par des intermédiaires. Et après cela, il m'avait donné l'autorisation de participer à toutes les réunions des grands satanistes du monde entier au fond de l'océan Atlantique. Je faisais tout cela et j'étais devenu le représentant du troisième degré dans les mystères de l'air. Maintenant, quand j'étais rentré, wakati nilirudia, je n'étais plus un homme normal. Sikwete na mutu sabatu yote. J'étais 50% humain, 50% démon. Pourcenti makumi tano nilikuwa mutu, pourcenti makumi tano nilikuwa démona. Étant dans ce monde ici. Mwenye kwa nalele dunia. Wow. Vous voyez, ce témoignage n'est pas terminé. Il y aura une suite. Alors, abonnez-vous rapidement sur cette vidéo. Activez la cloche pour ne pas manquer la suite. Wow, ça va être chaud. Vraiment chaud. Non, ce n'est pas vrai.